La gare, juste une minute, juste une minute. Une minute, tout est bon, allez. La gare, juste une minute. Félicitations à vous déjà. Et beaucoup plus, à, je n'aime pas utiliser ce mot aux joueurs locaux. Quand le sélectionneur m'a proposé qu'on prenne que des joueurs de moins de 22 ans, j'avais mon idée vers où il voulait aller, mais seulement il me conforte dans ma décision de dire « Ok, on va vers ces joueurs-là ». Donc vraiment félicitations à vous parce que vous avez posé beaucoup, beaucoup de problèmes aux autres. Vous voyez qu'il n'y a pas de magie dans cette maison. Vous êtes dans le même vestiaire que ceux-là qui méritent aussi d'être là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, rêvez, rêvez. Eux, ils n'ont pas fait la magie pour être les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce qu'ils ont cru. Donc, vous devez aussi croire que vous avez peut-être une place dans cette équipe. Et pour moi, vous avez une place dans cette équipe. Félicitations aux joueurs beaucoup plus expérimentés parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. L'intégration n'a jamais été facile dans cette équipe. Mais sachez une chose, dans une équipe, personne n'a réellement sa place. Personne. Et vers là où nous sommes en train d'aller, moi je vous le dis, je ne me cache pas, et je l'ai dit, on a 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. 7, les gars. 7. Et il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas d'amis chez le sélectionneur. On n'a pas d'amis. On a une équipe de football. Et dans l'équipe de football, c'est ceux qui méritent. Croyez-moi, entre le sélectionneur et moi, 4 Coupes du Monde, 4 Coupes du Monde. Et on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ça veut dire, ce qu'il va me dire, j'assume. Ce que le sélectionneur me dit, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature jusqu'à preuve de contraire. On va au Qatar pour gagner. Ça change. On entre dans chaque match maintenant pour gagner. Tout en pensant au Qatar. Les autres n'ont pas fait la magie. Humblement, les gars, capitaine. Humblement, mais c'est notre mentalité. On a des joueurs ici qui jouent avec les meilleurs, les Zambanguissa qui sont parmi les meilleurs. Onana, tout ça, on vous considère les meilleurs. Pourquoi nous n'allons pas penser ou rêver de gagner? Le rêve n'est pas défendu, les garçons. Le rêve n'est pas défendu. Je vous prie de rêver. Humblement, mais on va rêver. On va rêver, les gars. Parce que pour nous, vous êtes les meilleurs. S'il vous plaît, rêvons. Côté félicitations encore. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Donc maintenant que vous nous faites rêver, là, nous-mêmes, on va vous mettre la pression encore. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, merci, coach. Bon, nous, on se retrouve dans quelques jours pour partir. Hein? Mais notre voyage a commencé comme le sélectionneur a dit. Les gars, tout ce que nous faisons, c'est pour Doha. S'il vous plaît, les gars, sachez que quand vous entrez, maintenant, c'est pour Doha. Nous aussi, on va arriver comme les autres. L'histoire de la Coupe du Monde, elle va s'écrire peut-être autrement, mais au moins on arrive pour dire aussi, on vient aussi aujourd'hui là, décider. Parce que les autres, je vous dis, ils sont bons, mais ils vous considèrent aussi meilleurs. Oui, parce que moi, je suis fier quand on me dit, j'étais te regarder à la finale et j'étais fier de te voir, tout le monde criait ton nom. J'étais heureux. Donc, je ne comprends pas pourquoi les mêmes joueurs que vous avez en club, vous considérez, quand vous arrivez à l'équipe nationale, qu'ils sont meilleurs que vous. Ce n'est pas possible. Félicitations, les gars.